Donc, je suis Florence Tano, je suis ivoirienne, je suis à la 58e session de la Commission de la condition de la femme. Et je pourrais vous dire que dans mon pays, il y a de grands progrès en Côte d'Ivoire. Au Parlement, on a eu un taux élevé de femmes, contrairement aux dernières années, où on n'était que deux, aujourd'hui on a 8 femmes. Au gouvernement aussi de Côte d'Ivoire, on a encore le taux des femmes a été élevé et dans différents postes de décision, les femmes commencent à émerger. Il y a des progrès, mais je pense qu'il y a encore du travail à faire en matière de formation pour que le leadership des femmes soit véritablement affirmé, afin qu'elles sachent dans comment s'orienter et les stratégies à mettre en place pour tirer les autres. Parce que le problème, c'est que dès qu'elles sont à un poste, elles continuent un peu pour leur propre chemin. Et ça me désole un peu. J'aurais aimé les voir mettre des stratégies en place pour aider toutes les autres femmes à émerger. Voilà un peu le problème. Sinon, il y a de grands progrès en matière de politique, de prise de décision, d'occupation des postes de décision. Et ici, on est venu un peu pour avoir les expériences des autres pays. Et puis, à notre retour, nous organiserons une grande table ronde pour montrer comment ici les femmes essaient de partager leurs idées pour tous aller vers l'émergence.